Alors, désolé du retard pour la deuxième vidéo, hein, j'ai eu mon maître de stage qui m'a appelé. Donc on va faire l'Europe, voir ce que ça donne, hein, même si ça bouge pas trop, quoi. Personnellement, je sais plus quoi penser, hein. On sait qu'il y a la mère von der Leyen qui est en France aujourd'hui avec Macron, bien entendu. Ça ne m'étonne pas. Alors, Jocelyne Claudine le 10. 1, 2, 10. Le fou. En droit. Raymond, Katia, Eric, Régent le 9. La roue en vert. Donc pour l'instant, pas de changement, quoi. Dany, Yvette, le 3. 1, tiens, Cernunnos, la colère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en colère contre l'Union européenne, contre l'Europe, contre la politique de l'Europe. Stéphane, le 22. Le pendu en vert. Laurent Graziella, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 14. La force en vert. Donc il n'y a pas de violence. Mais il y a quand même de la colère par rapport à la politique européenne. Mais il n'y a pas de violence, c'est déjà ça. Ah, il y a eu deux fois le 22, mon amour. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'était Pierre qui avait 1022. Bon, voilà. Matou, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La grande prêtresse en droit. Ma petite femme, Nini, le 19. 9. L'ermite en droit et bébé le 1. La lune en vert. Bébé, donne-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il te plaît. Le 10? Non, déjà pris. Un autre. Le 1, tu l'as déjà mis. Le 7? Ok. Et nous avons les étoiles en vert. Donc, les étoiles, ça m'indique qu'il y a de la frustration. Donc, bah c'est pareil, l'Europe, comme d'habitude, bah, il n'y a pas de changement. On va dire qu'il y a énormément de colère. Il y a de la colère. Il y a de la frustration en Europe, hein, par rapport à bah, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez, par rapport à l'Europe, que toute l'Europe est en train d'attendre les élections européennes. Voilà, on est, si vous voulez, on est figé à attendre que bah, les élections européennes se passent pour voir ce qui va se passer. Voilà. C'est comme ça, quoi, voilà, donc. Bon, faut savoir qu'on a toujours le problème en France aussi avec Monsieur Macron, qui encore une fois, et ça c'est, je l'ai vu sur Facebook via BFM TV. Je sais que c'est une chaîne qui est complètement pro Macron, mais qui dit que si et seulement si Poutine passe les frontières ukrainiennes, il va envoyer des soldats en Ukraine. Donc voilà, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête,
en Europe, où on a toujours ce problème de risque de conflit avec les Russes. Hein, ce n'est pas les Ricains qui vont venir nous aider, je vous rassure. Malheureusement pour nous. Quoique. À voir ce que ça va donner. Mais si Macron envoie des soldats en Ukraine pour défendre les Ukrainiens, Poutine pourra très bien nous dire que c'est une déclaration de guerre envers la Russie. Et donc pourra officiellement nous attaquer. Voilà. Bon, il y a aussi ce problème avec malheureusement la guerre entre Palestiniens et Israéliens, qui, comme vous avez pu le voir ce week-end, le 1er mai, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes. Une chance, c'est qu'à première vue, ils ne se sont pas croisés, sinon ça serait fini en pugilat monumental. Chose étonnante qui nous ont qui a été qui n'a pas été diffusée à la télévision. Faut savoir qu'il y a eu énormément de violence pendant les manifestations du 1er mai. La preuve, et ça on le sait de source sûre, puisque mon beau-fils Tintin a été à Paris aux manifestations et il nous tenait au courant de ce qui se passait. Les policiers et CRS ont chargé les manifestations dans différents endroits. Voilà. Mais ça, ils n'en ont pas parlé à la télévision. Et ils ont utilisé gaz lacrymogène, grenades désencerclantes, à première vue qui sont encore plus puissantes que celles de l'année dernière et qui font beaucoup de dégâts. Il y a eu des arrestations, mais ça, personne, la télévision n'en a pas parlé. Donc, quand j'avais dit qu'il y allait avoir de la violence pendant les manifestations, je me suis pas trompé. La seule différence, c'est que la télévision n'en a pas parlé du tout. Et même les journalistes s'en sont pris plein la tronche, hein, ce qui paraît. Les street medics, etc. Tout le monde a mangé pendant ces manifestations. Les flics s'en sont donné à cœur joie. Les forces de l'ordre s'en sont donné à cœur joie à matraquer, gazer et envoyer des grenades désencerclantes à qui voulait l'entendre. Et que ce soit street medic, excusez-moi. Donc voilà. Donc les médias sont bien gentils, mais il faudrait peut-être qu'ils disent la vérité. Sur ce, j'ai plus grand-chose à dire. À part que ce soir je ferai le live, hein, puisque le PC de ma femme, petite femme, elle a cramé. Faut qu'on change la carte mère, il n'y en a pour 90 balles. Et vu la facture qu'on a à payer et d'autres, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, hein, vaille que vaille, on va bien trouver la solution. Sur ce, bonne semaine à tous et puis bon courage pour la suite des événements.